Donc voilà, nos assises 2016 se terminent et puis il m'appartient de faire un discours de clôture. Donc je suis pas heureux de poser la question de ce que j'allais vous dire pendant les 30 minutes réservées à cet exercice, mais c'est un peu plus court quand même. Et puis donc en réfléchissant et en discutant avec certains d'entre vous sur le fonds d'Avignon IA, je me suis dit finalement ces assises, elles ont été des assises la première fois. La première fois, pourquoi? Parce qu'à ma connaissance, c'est quand même la première fois que des assises sont ouvertes par un président et fermées par un autre. C'est aussi la première fois que les assises se déroulent deux fois de suite au même endroit. C'est la première fois qu'on tente une présentation en visio, et c'est aussi la première fois qu'on rate une présentation en visio. C'est la première fois qu'une partie d'une présentation est faite par un robot, et ça, en revanche, ça a fonctionné. Alors, bien sûr, la grève des transports a un peu perturbé notre programme, et ça s'est pas, à mon sens, pas trop vu, et nous avons eu, à mon sens, de belles présentations qui, j'espère, seront source d'inspiration pour développer les services numériques dans les établissements. Nous avons aussi, en trois jours, à mon sens, beaucoup d'informations qui pourront nous être utiles dans nos missions. Nous avons eu aussi un grand nombre de retours d'expérience enthousiasmantes et plein d'enseignements de nos collègues. Et surtout, nous avons pu, dans des moments plus informels, échanger entre nous, développer nos réseaux qui restent à modéliser avec les interprétations d'Éric. Voilà. Il nous reste plus qu'à remercier tous ceux qui répondent présents chaque année à nos assises et qui font vivre l'association, à remercier les partenaires qui sont tous les ans enthousiastes pour venir aux assises, à remercier le CA qui permet, une fois de plus, une organisation et un bon déroulement des assises, de remercier tous ceux qui participent aux activités du CIR, de tous pour remercier finalement, et puis de remercier aussi tous ceux que j'ai oubliés, tous ceux qui ne se reconnaîtraient pas dans les catégories que j'ai incitées. Voilà, merci à tous, bon appétit, bon retour et rendez-vous sans faute aux assises de 2017.